Voilà. Ouais, je veux bien, hein, mais je veux déplacer la fenêtre si c'est possible. Je peux déplacer la fenêtre ou niquer. Merci. Alors j'ai fait, il y a eu plein de mises à jour aussi de son, donc j'ai un peu peur. Et apparemment. Non, c'est armé. Et voilà, on va pouvoir continuer le jeu et le finir, j'espère, parce qu'on est dernier chapitre normalement, dans pas longtemps. Parce que j'en ai un peu marre, tout simplement. J'en ai totalement marre. Mais voilà, on va finir le jeu. Je presse sur un bouton. Je sais pas ce qu'elle a la manette en ce moment. J'ai jamais repéré tout le temps. Attendez, peut-être que je suis pas sur le bon truc. Oui. Donc. On était sur Eastward. Je me rappelle même plus où on en était. On a fait 20 h alors qu'on m'avait vendu du 15 h. C'était même moins 15 h. Et il n'y a toujours pas de musique. J'en peux plus en fait. Oh là là. Ah oui, on était dans notre loop infernale. Attendez, je vais augmenter mon son parce que de mon côté, c'est loin. Hein. Voilà. Bon, on va essayer de faire des trucs. Voilà, donc on n'a rien à faire. Les traces du passé. Ah oui, c'est vrai qu'on est dans notre boucle à faire. À chercher des traces de Isabella. De Isabelle. Je sais pas pourquoi j'ai dit Isabella. Mais non! Hop. Donc on va tracer. Hein. Donc, normalement, on est déjà allé là la dernière fois. Voilà. Donc du coup, on doit aller chercher dans la ville des traces d'Isabelle. On va aller directement sur les endroits les plus chiants d'accès, c'est-à-dire le métro. Bonjour, bonjour, bonjour. Peut-être qu'elle est passée là, on va acheter des trucs. Non. Pas d'argent non plus. Non plus, j'ai pas d'argent. Ah, c'est vraiment ouais, d'accord. Isabelle,
Hier, on m'a dit que Charon arriverait à la tour internée ce soir. Et puis aujourd'hui, on me dit à nouveau que je vais devoir attendre demain. C'est très étrange. À vrai dire, tout a été strictement identique à hier, aujourd'hui. C'est comme si hier ne s'était jamais produit. Ça ne veut quand même pas dire que le temps n'a pas avancé depuis qu'on était dans ce brouillard. En fait, pourquoi être aussi cryptique dans son phrasé alors qu'on sait... Enfin, c'est une loupe, quoi. Ça doit dater d'avant qu'elle trouve ce qui l'a mené jusqu'à Salomon. Allons chercher ailleurs, monsieur le rebelle Sonic, il doit y avoir d'autres indices. Recherche en cours, Isabelle. Ok, bon. Bah, elle est partie à gauche, mais on va aller par là. Ok. Oui, ça, on le savait. Ok. Donc, moi, je soupçonne qu'elle est montée. Donc, on va voir. Parce qu'en fait, elle potentiellement, elle est. On arrivait de là. Après, elle est allée à l'hôtel. Et ensuite, elle descend. Donc, du coup, elle est soit ici. Donc, on va voir si on peut rescanner ici. J'ai l'impression. Je n'ai pas l'impression. Ok. Et ça, c'est toujours les mêmes personnes qui disent rien, ouais. Qui font semblant d'être des robots. Pu, 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 pu. Ok. Peut-être qu'elle est passée par là. Hein. Non. Ah. Ah, fallait que j'aille jusqu'au bout du truc. Ok. Ça fait 13, donc 15 jours maintenant que je suis arrivé à Eternia. Ma mémoire se dégrade de plus en plus. Si les travaux de cet Ivan sont corrects, alors aujourd'hui sera toujours le lendemain de l'activation du champ temporel, et aussi la veille de l'arrivée de Charon à la tour éternelle. Sauf que demain n'arrive jamais à Eternia. Donc, la clé... Mince, je ne peux pas me permettre d'oublier. La flamme du temps... Oui, la clé pour accéder à cette tour, c'est la flamme du temps. Je vais la trouver, Alva. Alors attends-moi. Donc c'est encore cryptique pour juste expliquer que c'est une loupe, hein. Ah, la meilleure musique. Apparemment, c'était pas là. Bon, faut qu'on discute avec quelqu'un qui connaît un peu la flamme du temps, c'est ça? Du coup, faut revenir à l'hôtel, j'imagine. Parce que la personne qui s'y connaît le mieux, c'est notre... voilà, c'est notre 302, là. Oh.
Je sais pas où elle est partie, du coup, Isabella, à part revenir sur le sur les tra en arrière, quoi. Isabelle, plutôt. Ah. La seule personne à mourir dans la ville qui ne meurt jamais. Ah, c'est au cimetière, du coup. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Tu ne crois pas que j'ai déjà résolu cette énigme? Si. J'ai de plus en plus de mal à me souvenir clairement si je n'arrive pas à trouver cette flamme. On finira par se perdre complètement ici. Bon sang, il y a quelque chose qui m'échappe, c'est sûr. Il va falloir que je retourne là-bas une fois de plus. Faut qu'on revienne au cimetière. Là-bas? C'est où là-bas? Demande-toi à Thomas. Il doit bien savoir quelque chose. Je sais plus qui c'est Thomas. C'est qui Thomas déjà? Ah, faut que je... Ok. J'imagine qu'on va encore faire un aller-retour, hein, parce que c'est le principe du jeu. Faire des allers-retours. D'ailleurs, il y a le rebelle Sonic, on va peut-être récupérer des munitions en passant. Qu'on le fasse maintenant, quoi. Thomas, capitaine, la seule personne à mourir dans la ville qui ne meurt jamais. Vous savez ce que ça veut dire? Bah oui. C'est censé être où dans un... Enfin, sérieusement, on est obligé de poser la question. Vous manquez d'imagination, il y a beaucoup d'endroits possibles. Ok. Non mais écoutez-moi ce monsieur, je sais tout. Qu'est-ce que tu en sais, toi? T'habites même pas ici, coincé sur ton île pendant toutes ces années. C'était l'île du temps, pas vrai? En effet. Mais on en vient. Salomon, c'est ça, ce vieux boursouflé du bulbe doit toujours être en vie. Ah, si ça se trouve, tout ce qui est enterré dans sa tombe, c'est ses secrets. Ou la flamme du temps. On y va tout de suite alors, viens en jonc. Retournons sur l'île du temps. Merci les amis. Elle nous remercie. Ah, la solennité passée de mer a pris un coup de l'aile. Dans l'aile. La solennité passée de mer a pris un coup dans l'aile. Elle avait toujours l'air ronchon, c'est vrai. Et c'est seulement quand elle jouait à Earthbound qu'il lui arrivait de sourire. Écoutez-moi, Moussaillon. Voici enfin venu le jour fatidique où notre rêve deviendra réalité. On lève l'ancre, en direction de l'île du temps. On t'attendra sur le quai, jeune fille. Bon, du coup, ils sont en lien avec Mère, quoi. Notre double. Compris, capitaine. On va trouver cette flamme, pas de doute. Bah, moi, je sais où elle était, hein. Il fallait juste m'écouter. Hein. Pas besoin de faire des allers-retours, quoi. Oh. On se les gèle ici. Je ne me referai jamais au climat de cette île. C'est inévitable. On est à la limite du champ temporel. C'est ici que le vent souffle le plus fort. Bon, tout le monde est là? Pourquoi ils sont avec moi, en fait? C'est pas le moment de parler à météo, les gars. Allez, montez, suivez-moi. Ça commence vraiment à me fatiguer ce froid. Milo? Milo? Où est donc passé ce tas de boulons rouillés? Il était là quand on est venu plus tôt. Je ne vois pas trop ce que nous en espérons de toute façon. Aucune chance qu'un robot de Salomon nous livre des secrets. Recherche terminée. Recherche terminée. Trouvez Isabelle. Dans l'arbre? C'est l'arbre? C'est le moine? Montre-toi, espèce de... Globicéphale, je sais que tu n'es pas vraiment mort. Te voilà. Donne-moi la flamme du temps tout de suite. Ou est-ce que tu vas m'obliger à te le prendre de la force? Dis-moi ce que tu veux au juste, ma grande. L'argent, le pouvoir, la vie éternelle peut-être? Maintenant que tu es Eternia, tu as tout ce qu'il te faut. Même la mort n'a pas d'emprise sur toi, ici. Oui, alors pourquoi dépenser tant d'énergie pour pénétrer dans cette tour? Et parle-moi de tes leçons, vieux Schnock. Oh oh oh, on dirait que tu comprends déjà, alors. Mais cela signifie-t-il que tu es vraiment prête?
Je suis prête à tout pour sauver Alvar. Splendide, absolument splendide. Qu'est-ce qui te stimule ainsi? Qui te donne une telle détermination? La loyauté, peut-être? L'amitié? À moins que ce soit l'amour. Diantre, toujours aussi fougueuse à ce que je vois. Prends-la alors, prends-la la flamme du temps. Puis monte dans la tour éternelle. Et empare-toi de ce que tu désires tant. Pourquoi tu nous aides? Pourquoi tu l'aides? L'amour, la loyauté. J'arrive, Alva, et je trouverai le moyen de te sauver. Alors, allons voir ce qui se passe. Seulement à donner la flamme du temps à Isabelle. Ah, c'était ton amie, c'est ça? Oui, c'était Isabelle. Elle a emporté la flamme du temps. Bon, ça ne va pas arranger les choses, ça. C'est ici que Salomon est enterré. Si seulement Milo était présent. Capitaine Pam, j'ai amarré le bateau. Ce bruit, c'est comme si tu avais écrasé quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la tombe de Salomon. Mais elle est vide. C'est un passage secret, comme dans Zelda. S'il se trouve que ce cinglé n'est pas mort, enfin, pardon pour cinglé, quel meilleur endroit qu'ici pour cacher ses secrets? C'est vrai, ça. Viens, Jon, on va jeter un œil. Voilà, pas si vite, mes bébêtes. Mes belettes, belettes, ok. Quand la cloche sonnera de nouveau, nous, les vieux, on se souviendra plus des événements d'aujourd'hui. Mais c'est pas grave, hein. Vous êtes déguisés, de toute façon. Mais si vous avez besoin de nous, on sera là. Ah bon? Je crois pas, vu comment vous étiez pas très aidant. C'est trop gentil. Allez-y, alors. C'est comme la dernière fois, en fait. On va garder les choses à l'œil, ici. Ok. Salut. Je l'ai tapé ou je l'ai pas tapé? Je sais même pas. Ah non, j'avais pas eu. On va revenir en arrière. Parce que ça donne du gros sel, les... Apparemment, c'est pas suffisant. Ah ouais, faut aller vite, hein. Avec les scarabées, hein. Bon, c'est la dernière que j'essaye. Bon, ça a pas marché. Ok. Un peu, ça traîne un peu le mien à ce moment donc, hein. C'est intéressant.
Et nous revoilà ici, ok. Mais on n'arrive pas du même endroit, c'est ça. Ah, on pouvait descendre là. Alors là, par contre, fallait m'expliquer. Ça, c'est vraiment un escalier? Comment tu sais que c'est un escalier, ce truc-là? Je peux pas descendre là. Parce que ça, je peux le casser. C'était pas le bon truc que j'ai fait, je pense. Bon, on va descendre, on va monter, on va écouter, on va voir ce qu'on fait. Non. Mais non! Oh là là, il me refait le même coup. Comment perdre 15 millions de vie? Je sais même pas comment on soulève ici. Là. Je m'en rappelle plus. Je sais plus comment on fait. J'ai plus de vie, j'ai plus rien, je sais plus comment on va chercher le truc en haut. On va faire comme si on l'avait pas vu. Peut-être pas tout de suite. Hein. Et pour les vies, bah écoutez, on va faire ça. Hein. On va faire la technique de je balance une grenade. Ah, oui. Ah. Ah, ça a passé à... Excusez-moi. Ah, je veux bien le cœur par contre. Ok. Pardon, je prends le cœur. Merci. Mais c'est incroyable cette histoire. C'est les petits qui font le travail en fait. C'est bon. Récupérer voilà. De la vie? Non, ok, toujours pas.
J'allais louper ça. Ah. Toujours des trucs un peu intéressants, hein, qui nous servent beaucoup. Pour aller augmenter des trucs, je pense. Parce qu'on a 397, mais je suis même pas sûr. Je les aime pas. Mais voilà, merci. Mais quel intérêt? Toujours placer les gens, ça me fatigue. Tout ça pour jamais rien gagner d'intéressant. On peut bloquer les gens, c'est le seul truc qu'on peut faire. C'est non. Mais je pense que ça joue parce que l'autre, elle est agressive, mère, là. Mais genre, elle, Sam, là, ça me fatigue. Elle me fatigue de incroyablement. Prendre les coups, là. Fatigant. Oh, un boss. Oh non. Oh. Oh, des chiens. Bon. On a tenté, hein, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'on pourrait les bloquer si on avait envie de faire les choses bien. Bon, déjà, par exemple, eux, on va les oublier, hein. Je suis désolé, mais j'ai pas envie, en fait. Ah! Pourquoi j'ai plus du tout ce que j'avais tout à l'heure? Faut m'expliquer. Bon. On va prendre notre bouffe, hein. Oh, ça l'a même pas bloqué 3 secondes, quoi. Ouh là là. Non mais... Mais ça sert à quoi de ce truc là? Ça bloque personne en fait, son truc là. Ça sert à que... Genre en fait t'es censé jouer à deux. Mais non. Tu ne peux pas jouer à deux parce que regarde, si tu bloques quelqu'un, ça bloque que pendant 3 secondes. Et si tu as que la poêle, bah ça sert à rien. J'adore. Je pense que si on... Voilà, on va die, on va aller chercher, on va aller augmenter nos trucs. Ah bah ça y est. Ah mais il est bloqué lui. Ah, c'est très bien. Reste bloqué. Ah non. Voilà. Je pense que le fait d'augmenter sa puissance, ça a joué en notre faveur. Ok, bon, on va revenir en arrière, écoutez... Récupérer de la vie, faire des trucs, quoi. Non, mais laisse-nous, en fait. Oui, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est marrant, c'est que... Si t'as plus de vie, et que tu veux revenir en arrière, bah, tu dois faire tout le chemin avec les gens. Voilà. Qui en veulent à ta vie. Oh.
Apparemment, j'avais pas mis le micro. Bon. Je disais, on a plus de thunes, on fait l'aller-retour. On a plus de thunes. On récupère de la thune, du coup, on fait l'aller-retour. Ah non, mais on peut quand même revenir sur la plage, s'il vous plaît. Si on... Mais comment qu'on fait? Genre, on peut même pas cuisiner? Bon, je vais sauvegarder ici et on va revenir en arrière, apparemment, c'est le principe. Oh non! Oh, je suis deg. Je suis deg, c'est au moment où on a de la thune qu'on peut même pas l'utiliser en fait, c'est le principe. Waouh! Dane! Et j'ai plus de vie, j'ai plus rien. Et je peux... Vraiment, je peux... On s'en fout, quoi. Ouais, j'ai gagné un cœur, super. Ouais, c'est bon, on va pouvoir finir le boss. Bien entendu. Bon, j'arrête de couper le micro, parce qu'en fait, j'ai remarqué que ça fait un moment que vous m'entendez pas. Oh là, la gratuité du truc, là. En fait, il y a un problème avec l'apparition des cœurs. Je trouve. Genre. Je joue en normal. Hein. Je joue pas en hardcore ou je sais pas quoi. Hein.
Donc là-haut, je sais toujours pas comment on fait pour pouvoir. Mais on. On va même pas tenter. Parce que si je commence à tenter à faire les toucans, là. Déjà que eux, ils sont fatigants. Wow, la vie gagnée, la vie perdue. Hein. Ouh là là. Non mais c'est bon, avec un quart de cœur, on peut faire. T'inquiète. Surtout, ça me ne fait rien derrière moi. La vraie vie, c'est la vraie vie. Wow. Et c'est quand vous voulez en fait les. Voilà. Les retours dans la tête. Ouais, 3 coeurs. Je pense que c'est bon. Hein. On va faire à la Zelda. Avec 3 coeurs, c'est suffisant. Faut faire 2-3 donjons avec 3 coeurs. Tranquille. Laisse-moi passer. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Bon, bah vas-y, c'est parti. Hein. J'imagine que c'est là où on cuisine. Là, il y a la clé, ok. Donc, ok, c'est fermé ici. Je prends. Hein. Donne. Voilà. Je veux qu'on fasse quoi avec ça? Il n'y a pas de lumière. Même pas eu. Dang. Ça a même pas explosé le truc. Ah oui, parce qu'en vol, ça fonctionne pas pareil. C'est bien sûr. Bien sûr. C'est tout à fait logique. C'est une bombe qui est volante, mais le trou est au sol. Bien entendu. Ah, c'était l'inverse qu'il fallait que je fasse. D'accord. Ok. Du coup, j'ai du mal à comprendre comment je peux passer ici. Je peux pas faire ça, en fait. À part poser une bombe. J'ai du mal à saisir. Bon, bah, je vais poser une bombe, écoutez. En fait, faut que je reste à côté ici pour pouvoir que la bombe elle, se déclenche comme je veux. Ou sinon, je mets la bombe à retardement. Bah voilà, on va faire ça. Hein. Je peux passer là? Non. Ouais, donc c'est vraiment ça. Dane. C'était juste, fallait que je la pose, quoi. Ok. Ok. Super, la vraie vie. Le vrai jeu.
Ah, ok. Bonjour Tomato Jules, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? J'espère que les fêtes étaient bien. J'adore. Ah mais je vais faire ça en fait. Ah ça marche pas ça. Si ça marche. T'as le Covid. Oh non. Dane. Eh bah courage, j'ai envie de te dire parce que là ça va être dur, hein, je pense. J'imagine que c'est déjà le cas. Moi ça va. Je suis un peu fatigué de ce jeu, mais. En fait, on trouve des trucs, c'est jamais de la vie. Donnez-moi de la vie, wesh. J'en peux plus. On peut pas transformer les trucs bleus là en vie, là, j'en ai marre. C'est pas comme si on va se taper contre un boss et que je peux pas revenir en arrière. Genre. J'en peux plus. Bon, du coup, c'était quand même bien, même si t'étais covidé. T'as fait des trucs. Ou t'es resté en télé Noël. J'en peux plus. Eh, j'en peux plus. On perd de la vie gratuitement. On n'en trouve jamais. C'est quoi ce jeu? Non mais non! En plus, là, il y a lui, là, il m'énerve. Oh, vas-y, on l'abandonne, hein, Sam. C'est le seul moment où je perds pas de la vie à cause d'elle. Hein. C'est quoi ce jeu? Je crois que j'ai jamais regardé y jouer. C'est Eastward, c'est très beau, mais par contre, c'est un peu éclaté au sol, quoi. Je vais être méchant avec ça, mais... Enfin, c'est éclaté au sol parce qu'on n'a pas de vie. On trouve jamais de vie dans ce truc-là, ça m'énerve. Voilà, il n'y a pas de munitions. Voilà. Ah non, je viens de la prendre, donc je l'ai potentiellement filé à toute la famille. Aïe! Les fêtes étaient cool jusque-là, tu m'étonnes. Dane! Bon, bah, en espérant que ça fasse pas de mal, quoi. En fait, on va faire la alien, hein. On va approcher, on va reculer, on va attendre, on va patienter. Voilà. Donc, histoire, c'est Sam et John. Donc, John le mutique et Sam qui a un pouvoir, on sait pas trop pourquoi. On s'enfuit de notre décharge parce qu'on vivait dans une décharge à l'est. En fait, parce qu'on a envie de voir le soleil, parce qu'on vivait sous le sol, quoi, comme dans Métro 2033. Ouais, si, c'est bon, j'ai compris. Et le truc, c'est que, voilà, il y a de la pollution, en fait, qui s'appelle du miasme. On n'a pas de vie. Comment tu veux que je passe ce truc? Il y a de la pollution qui est là, quoi. Qui s'appelle le miasme. Et qui arrive et qui détruit au fur et à mesure les villes qu'on traverse. Le scénario n'est pas très existant. Pour être méchant. En fait, le truc, c'est que... On ne sait pas exactement pourquoi Sam voit un double plus méchant d'elle. Et qu'en fait, elle interagit avec la pollution. Donc on soupçonne que son double amène la pollution, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Enfin, pourquoi. Non, on ne sait pas du tout pourquoi. Et là, on est dans une sorte de boucle temporelle. Donc on a traversé plusieurs villes. Où c'était pas tu rencontrais des personnages et on a rencontré trois fois
un personnage à différents âges qui s'appelle Salomon. Et en fait, on se retrouve à aller le chercher là parce qu'il est censé être mort dans un truc qui s'appelle l'île du temps en direction d'Eternia où en fait c'est une boucle. Et c'est la joie quoi. Parce qu'en fait, ils essayent de nous donner du scénario, sauf que le scénario n'a pas de véritable scénario quoi. On va le taper jusqu'au bout. Je lui dis Nick de base. Voilà. Purée, j'en peux plus. On a tellement peu de vie. Donc, l'idée, c'est qu'on doit essayer de traverser le monde pour pouvoir empêcher Salomon de faire des bêtises. Sauf qu'on ne sait pas exactement ce qu'il compte faire. Ça a commencé à parler en cryptique tout à l'heure. Donc, je comprends rien au scénario. Et la semaine dernière, ça m'a saoulé parce que c'est trop long pour pas grand-chose. En fait, on était en loop. Donc, c'était vraiment nul. Nul. Genre, à faire de la livraison Uber pour des gens en boucle. La grande joie, quoi. Et en fait, ça n'a pas avancé grand-chose. J'avais pas de thunes, je trouve pas d'argent, je trouve pas de vie, nulle part. Quand j'en trouve, c'est rare. Et quand j'en trouve, je peux même pas revenir en arrière. Là, je peux pas venir en arrière, donc je suis obligé de jouer avec 4 cœurs sur l'entièreté d'un donjon. Et je suis blindé en plus. Donc je peux même pas faire de la bouffe parce que normalement, on peut cuisiner. Je vais prendre des munitions. Normalement, on peut cuisiner pour pouvoir justement se fabriquer des trucs. Sauf que j'avais pas assez d'argent avant pour pouvoir me faire de, pour pouvoir trouver des, pour pouvoir acheter des trucs. Et du coup, voilà, on n'a même pas de moyen de cuisiner, donc je ne sais. Crois que le jeu m'en veut. Allez, on se casse. On se casse, on se casse, on se casse. Lui, là, je sais pas comment on peut le faire. Hein. Non, mais... Viens, viens, viens. Voilà. Est-ce que tu peux venir jusqu'ici? Non. Et là, je vais devoir revenir en boucle. Allez, hop. Je vais devoir refaire les mêmes choses. Parce que quand on quitte un endroit, voilà. On doit retuer des gens. De la même façon qu'on vient de faire. Donc c'est... J'aurais... Tu vois? L'enfer. Toujours pas de vie, jamais de vie. Le pouvoir de Sam, c'est jamais de taper en plus. Donc en fait là, il y a que le miasme que je peux me détruire. Donc quand je suis en boss, il y a que John qui peut faire quelque chose. Et le truc, c'est que Sam prend quand même des coups. Donc en fait, je perds des vies forcément. Je suis obligé de perdre des vies. Donc je joue à défaut. Je peux pas vraiment jouer autrement que bourrin. Après ça me dérange pas plus que ça, quoi. Et là, faut que j'attende par exemple que la barre de recharge de Sam elle se remonte parce que en fait je peux. Sinon j'ai pas d'attaque contre le miasme. Autre que utiliser les bombes de l'enfer de Jon quoi. Peut-être le faire à distance, on remarque. Hip. Hip, 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 laisse-moi vivre! Oh là là. C'est bon? C'est bon? On a eu la grosse? Ok, on va patienter. J'ai perdu deux points de vie. Mais ça les méritait. Donc voilà, je voulais rusher la fin parce que le jeu m'énerve en fait. Mais on peut pas. Et en fait, pour moi, c'est un gros problème En fait, on dirait que le jeu, il a été foutu pour qu'il y ait un temps défini dès le début.
C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, bon, il doit faire plus de 15 heures, par exemple. Et donc, en fait, il y a des remplissages qui sont un peu bizarres. Le début était bien. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec des trucs, c'est étrange, en fait. Voir rien, en plus. Bref, je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà. Donc, la joie. Ah! Ça a l'air d'être un truc qui nous redonne de la vie, non? Dis-moi que c'est de la vie. Dis-moi que c'est de la vie. Non. Oh. Ça aurait pu être bien, hein. Mais non. Oh. Un cœur. Ça y est, on est en mode Zelda. C'est bon. Donc là, ça sent le boss, hein. Je vous le dis. Si vous n'êtes pas au courant... Y'a plus du cul du boss. Donc là je suis en train de réactiver le temps ou qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va mourir en fait parce qu'ils sont tellement dans la boucle depuis le début. Et oui, il y a aussi le fait que y ait pas de musique, quoi. Ou très peu de musique. À certains moments où c'est très bizarre, quoi. Oh non, la loupe! Non! On va devoir commencer. Merci pour le bien joué. J'ai réussi à survivre. Dis-moi que je suis à côté de quelque part où je peux acheter. Et pas dans le cimetière. Oh non. On recommence le cimetière. Donc là, on a recommencé la boucle. C'est la 6e fois que je vois. Ouais, la tour éternelle, ouais, bonjour, salut Milo. En fait, vous êtes vraiment en boucle, même si on avance dans le truc, c'est vachement intéressant. Oh, on va pouvoir cuisiner. Allez, on se fait plaisir, hein, parce qu'on peut cuisiner. On va se faire du poulpe. Voilà. Un petit sandwich au poisson. C'est la meilleure musique. Ça pas grand chose hein, mais on va faire autre hop et un peu de hop et hop un sandwich au poisson avec de l'amande de feu pour voir ce que ça donne. Ça réduit le coût des munitions pendant une minute, ça c'est bien ça. Ça veut dire que je peux l'utiliser. Ah ouais, mais ça y est, j'ai plus d'ingrédients. Voilà. J'ai fait deux bouffes Alors, clairement, qui me donnent genre 3 coeurs, 5 coeurs. Ouais, ouais, bon, si, un peu plus que 3. C'est déjà ça. Ça c'est bien. Par contre, j'aimerais bien juste faire un truc, voilà, vérifier. En fait, faudrait re-aller là-bas. Ouais, bon, allez, on continue, hein, parce que... on fuit vers l'avant. On a trouvé la flamme. Retournons à Eternia. Vous vous rappelez la première fois qu'on a pris la mer, capitaine? Ah, la mer, mon mot préféré. Un peu que je me rappelle jamais, je pourrais oublier ce doux moment.
Ah. Mais la boucle, elle est pas réelle, là, du coup. Ils sont enfermés. Normalement, ils sont tous là. Le train en direction de Lyon-Perrache est à quai. Les... comment on dit? On dirait qu'on est prêt à lever l'ancre. Tout le monde à bord, Moussaillon. Ferme bien la porte, espèce de vieille tête en l'air. Si tu veux pas qu'on ait du vent, ok. Ah ah ah. Je crois qu'on va aller, on va se payer l'hôtel, hein. Parce que... je sais pas... à quoi que non, on peut aller dormir dans notre carriole. Capitaine, on va dans la tour éternelle aujourd'hui. Du coup, on ne pourra pas vous aider à distribuer le courrier. C'est vrai, ce mensonge? Allons bon. Vous avez dû mettre la main sur la flamme du temps, alors. Oui, elle était sous la tombe de Salomon. Elle était là depuis toujours? Ah ah ah, moi ah ah. Bah pas vraiment toujours, hein. Pendant un jour, en boucle. Ah désolé, il fallait que ça sorte. Filez mes petits brigands, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, on sera là. Capitaine Pam, vous ne souvenez vraiment de rien? J'ai bien peur que ça ne me revienne pas, non. J'en ai oublié des choses au fil du temps. Mais il y en a certaines auxquelles le cœur s'accroche. Qu'on le veuille ou non, c'est pas vrai ça, ma petite Samy? Ah bah, vous vous souvenez? On part pour la tour et on ramènera Alva et Isabelle. Vous pouvez en être sûr. Alva et Isabelle qui sont quand même les meilleurs persos. Hein. Mais il y a un truc qui est bizarre. Je peux même pas me prendre ça. Il y a un truc qui est bizarre, c'est que normalement, Alva, c'est le rebelle Sonic. Elle fait semblant de pas nous aider, mais en fait, si. Donc, bon. On va aller récupérer de la vie. Et on va acheter 2-3 trucs. C'est là où, hein. On va acheter de l'augmentation. Logiquement, je devrais augmenter... des armes, mais alors lesquelles? Ça c'est pas mal, mais c'est déjà niveau 2. Ah, je peux pas augmenter niveau 3. On va prendre grosse caisse de munitions parce qu'il nous manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de munitions. Pas assez de pièces. J'ai pas de pièces. J'ai rien, je suis pauvre. J'en peux plus. Bon bah du coup, voilà. On va payer l'autre. Hein. Pas assez de pièces? Je peux pas? Quoi? Ah, je suis redevenu pauvre. Ok, salut! On va se payer quand même des munitions. On va faire un genre. Et du retour. Les tickets de retour. Parce que... voilà, donc on va faire le plein de bombes. Je suis peut-être déjà au max. Ouais, je suis déjà au max. Donc, pas besoin de munitions. Le sac à dos est plein. Quoi? Mais non, il est pas plein. Ah, c'est parce que je suis déjà réapprovisionné? Mais c'est n'importe quoi. Nick. Si je vous parle, ça sert à quelque chose? Je crois pas. Hein. Donc, allez, on fuit vers l'avant. C'est très très joli, mais pas très clair hein, comme jeu. C'est dommage. Bon allez, hop, on va dormir. Sachant qu'on va perdre nos cœurs vite. Hein. Ne nous voilons pas la face. Est-ce que j'irais pas acheter de la bouffe pour faire de la bouffe? Ça, c'est une question valable. Parce qu'en fait, il nous manque tellement de cœur que j'ai vraiment...
Ouais, je vais faire ça. Et on va essayer d'utiliser au minimum. On va faire des courses. Parce que c'est vrai que la cuisine, c'est bien, mais bon. En fait, il faut s'en rappeler de ce qui est bon pour soi et tout. Acheter des légumes, hein. Les légumes, c'est vrai. Hein. C'est la bonne technique, je pense. Je sais même plus où on peut acheter. Je crois que c'est peut-être là. Non, c'est pas là. C'est là? Non. Je sais plus où on peut acheter de la bouffe. C'est là? C'est vous, monsieur? Le pain de maman tout rond, tout chaud. Vous voulez goûter? C'est ça. On a que du pain. Ah oui, mais remarque, 3 de cœur. Vas-y, je prends tout, hein. Salut! Pas besoin de faire la bouffe. Ouais, on va manger du pain. Trop bien. I'm happy, hein. Est-ce que vous avez vu que Sam, elle est partie vers le bas? C'est moi qui ai mis vue. On va re-sauvegarder au cas où, si jamais on revient ici. Si je me souviens bien, Isabelle a allumé ses trucs avec la flamme. Mais comment elle s'y est prise? Tu veux parler des cages du temps? Captain Pam! Vous êtes tous là? Vous n'avez pas oublié? L'oubli n'est pas si mal d'un côté. Ça permet de se rappeler les choses une nouvelle fois. Ce bon vieux Thomas nous a tout raconté. Ce qui s'est produit dans le passé et ce qui s'est produit hier. Le passé et hier, c'est la même chose, non? Il nous a dit pour la flamme aussi. Vous savez comment je suis censé allumer ces trucs-là, là? Comment Isabelle l'a fait? C'est Salomon qui a conçu tout ça. Tant que tu as la flamme du temps, tu devrais pouvoir ouvrir la porte. Il faut juste que tu te concentres sur la flamme entre tes mains. Que je concentre sur la flamme entre mes mains. Ouh là là, il y a des problèmes de... Que je me concentre sur la flamme. Tu vas apprendre enfin à attaquer peut-être. Apparemment, non. Eh bien, c'était quelque chose. La porte devrait s'ouvrir maintenant, non? On dirait qu'il te manque encore une chose. Une chose? Tout juste, et peut-être que tes amis pourront te donner un coup de main avec ça. Ah, c'est ici que nous allons procéder à l'opération, c'est ça? Laissez-moi vous expliquer. Ce petit bout de ferraille a beaucoup trop d'énergie accumulée en lui, si bien que rien de ce que j'ai au garage peut le stocker. Mais vous avez déjà pris notre argent. Oh là, oh là. On se calme, j'ai pas fini de parler. C'est précisément pour ça qu'on va plutôt procéder à l'opération ici. Devant cette tour? Je vois. Nous pouvons nous servir de la porte de la tour éternelle pour absorber toute l'énergie du petit gars. Nous pourrions ainsi réaliser l'opération mais aussi rouvrir la porte. Quel génie dégarni. Tu es vraiment calé. Enfin, pas autant que moi, quand même. T'aimerais bien être aussi malin que moi. Et je suis pas dégarni, j'ai le front large, c'est tout. C'est génial, tu vas pouvoir terminer ton opération, Daniel. Si mes calculs sont bons, l'énergie en lui devrait tout juste suffire à ouvrir cette porte, ce qui devrait parfaitement boucler l'opération. Et donc, du coup, ce qu'on devait lui livrer, c'est-à-dire la puce à émotion. Le mieux est encore de mettre ma théorie à l'épreuve. Ok. Viens donc, mon garçon. Tous nos espoirs reposent sur tes épaules de fer. D'accord. C'est marrant parce que c'est un personnage vraiment tierce que je sais pas pourquoi il nous accompagne autant. Daniel, je dois faire quoi, au juste? Tiens-toi là, ça devrait suffire. C'est tout? Super Saiyan 3! Majin Daniel. Eh bien merci hein, Daniel. C'est très sympa de ta part. D'avoir pris toutes ces électrocutions.
enfin, elle s'ouvre. Ça veut dire que l'opération a marché? Ben, c'est ça l'opération? On dirait bien que oui, ton excès d'énergie a disparu. Fuite. Comment te sens-tu, Daniel? Je sais pas trop. Fatigué, surtout. C'est le contre-coup de l'opération, sans doute. Ah. Nous allons nous retirer alors, mais je guetterai les nouvelles de votre succès avec impatience. Tu crois que Daniel va bien? Il avait l'air très faible. Bah. Vu qu'on se barre, c'est comme si on s'en foutait, hein, non? Aller de la vie peut-être? Non, toujours pas. Ah. Je suis censé comprendre quelque chose. Faut pousser ça? Non. Bah, je vais faire genre, y a rien, hein. Il y a R ici, hein. Ah oui, d'accord. Ah, c'est ça appelle mon énergie, d'accord, ok. Ah, il y a un temps, ok. Il y a un temps. C'est tout ce que je supporte pas en fait, hein. Je le précise, hein. C'est tout ce que je supporte pas. LOL. Mais laisse-moi me positionner quand même. Du coup, je peux pas taper? Quoi? Pourquoi on est là? Pourquoi je peux plus rien faire? Allô, le jeu? Le jeu, bonjour? Le jeu est dead. Bah écoute, on réinitialise le niveau actuel. C'est pas comme si en fait, genre, j'étais pas loin de faire quelque chose. Un. Deux. Ah, c'est vraiment je peux pas quoi. Donc c'est vraiment deux. Ok. Mais avance un petit peu. Un. Deux. Ah, enfin. Waouh, c'était trop compliqué. Ils ont ajouté des vases, vous avez vu ou pas? Donc ça, c'est une machine à arrêter le temps, ok. D'accord. C'est tout? Ah, un Rubik's Cube magique, génial. J'ai pas compris. En fait, c'est tu rentres pour sortir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On prend rien. Y a rien de nouveau. Dis-moi qu'il y a quelque chose qui change au retour quand même, s'il vous plaît, merci. Que j'ai pas fait juste un aller-retour again pour queude. I'm so shocked. Oh, je suis choqué. Je suis choqué. C'est tout?
J'active. C'est un. Ah, je... c'est un ascenseur. Oui, je veux monter. Exact. Ok. Donc là, il y a encore il y a encore deux salles avec des loops. Ok, super. La vraie vie, je suis content. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah, mais en plus, ça revient. Oh, allez, hop. Ça sent la mort gratuite. Hein. Bon, bah, apparemment, c'est par là qu'il faut aller. Hein. De la vie en option. De la vie en option. Oh, super. Bon. Je veux même plus jouer avec leur histoire. Bon, je vais même pas essayer, hein. Là, il faudrait que je pose une bombe. Indeed. J'imagine que c'est en haut qu'il faut aller, mais on va aller en bas. Ah. Bah non, on va aller en haut alors du coup, parce que ça a l'air d'être une impasse. Ouais, de quoi augmenter, mais c'est pas comme si on pouvait sortir, hein. Je suis content, hein. Content, content, hein. Lol. Bah, faites ce que vous voulez, hein. J'ai pas de problème avec vous, hein. Voilà, on est d'accord. Oh non, pas eux. Eux, ils sont pas marrants. Voilà, bon. Hop, hop. De la vie. Il nous faut de la vie. J'ai décidé d'arrêter de jouer avec eux, j'en ai marre. Tant qu'il n'y a pas de vie, moi je joue plus. Ok, bah vas-y. Hein. Ah, ça a l'air sympa. On se sépare. Hein. You know? Voilà. Et du coup, la carte, on peut aller de l'autre côté? Bah non, y a forcément pas de clé. Ah, lol. Est-ce que vous sentez la joie ou pas? Je vais prendre le coup, hein. Je m'en fiche en vrai. Voilà. Donc là, il faudra faire une sur deux. Hop! Oh non. Venez, je suis là. Ok, c'est bon. Ah, un cœur. La vraie vie.
Est-ce que par hasard ce serait des cœurs? Je ne crois pas. Ouais, du sel, trop bien. Oui, c'est un peu l'enfer. Ouais. Donc là, ça me sert strictement à rien. À quoi ça sert de faire ça? Ah, c'est pour la faire revenir là? Je... Ok. On a récupéré quelque chose? Je ne crois pas. Hein. Je vais devoir revenir. Bon allez, c'est parti. Nique le game. Nique le game. Il manquait un truc, hein, je pense, mais je sais pas quoi. Dans le noir en plus pour le fun. Ouais. Mais du coup, vous voyez bien parce que... Parce que j'avoue que, ouais, ça aurait pu être plus sympa, quoi. Mais oui, c'est l'agréabilité, hein. L'agréabilité du jeu est là, pour nous dire, ah, au fait... Bon, salut. Adieu. Moi, j'ai décidé, j'arrête de jouer, j'arrête d'essayer de tuer leur monstre, hein, parce que... Ah, mais j'ai plus de vie, déjà. J'avais pas fait gaffe. LOL. LOL. Donc du coup, normalement, je devrais manger... Bah, je vais manger du pain. Mais... la fatigue. Je préfère prendre de l'émunition. On va se débrouiller sans... Cœur, trop bien. J'ai pas du tout de réseau, donc je suis en 160. Ah, Dane. C'est marrant, parce que normalement, les streams, je peux pas les proposer, vu que je suis pas affilié, t'as vu. Je peux pas les proposer en mauvaise qualité, normalement. Ah, j'ai du temps. Ah, oui, excusez-moi, hein, bonjour. Voilà, vas-y. Ah mais c'est la joie totalement. Il faut que je l'appelle là d'abord, peut-être. Voilà, merci. Vous la sentez la douille là, ça va être compliqué. On a du temps en plus, trop bien. Ok. 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 Du temps en plus, trop bien. Allez, allez. Du temps en plus, trop bien. Ah oui, donc c'est du temps pour pouvoir juste faire ça. Hein? Deux. Après, il paraît que sur certains streams, c'est autorisé, tu vois. Hein. En fait, on puisse downgrade. Enfin, on peut proposer d'autres choses, quoi. Mais c'est Twitch qui les donne de temps en temps. Donc, du coup, c'est mieux, des fois. Là c'est bien, du coup, si t'arrives à pouvoir l'avoir en 160, déjà moi, normalement je devrais pouvoir le proposer, parce que c'est un truc d'accessibilité quand même. Mais c'est chiant, leur truc de Twitch. Hein. C'est chiant. Hein. Bon, c'est pas tout ça, mais ça serait bien de trouver de la vie. J'ai pas envie d'être au milieu. Bon. Ouais. Ah, on se retrouve là. Super. Les donjons de Zelda, je connais. Je connais.
De la vie? Toujours pas de vie. Toujours pas de vie. Pourquoi demander de la vie? Oh là là. Oh là là. Mais non! Je veux pas de vous! Ça c'est con de l'utiliser maintenant. Ça c'est très con. Il y a un moment en fait, ce serait bien de l'utiliser, tu vois. Genre au bon moment. Mais non. Le truc me poursuit. Il y a vraiment aucune pitié dans le jeu. Et ça on peut le bouger là, j'imagine. Ok, c'est bien. On peut pas le bouger. Oh non. Je veux pas te mettre au milieu, genre, pour faire genre. Bon, qu'on t'écrase un peu là pour voir. Non. Ah, il a compris la supercherie. Je suis pas touché là. Je soupçonne qu'il faut faire ça, mais bon. On continue, hein, écoute. Ah bah un cœur. C'est très bien. Ah mais c'est ça qu'il faut déplacer. Oh, c'est moins marrant que de déplacer le serpent. Bonjour le serpent. Vite, vite. Merci. On a réussi à sauter. Mais non, mais non, mais non, mais non, c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Oh, oh. Voilà, c'était un petit sacrifice d'un point de vue. Voilà, j'ai bien entendu quelque chose, oui. De la vie. Non, toujours pas de la vie. Allez, 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 allez. Ah oui, du coup, je peux vraiment pas venir. Ok. Non. Et non. Oh là 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 là. Allez, descends. Je vois pas pourquoi ça veut pas aller droit en fait. Ah bah ça y est, enfin. De munitions pour pas grand chose, quoi. C'est toute ma vie. Hein. La vitesse, c'est toute ma vie. Hein. Tout le monde sait. Je kiffe. Je kiffe ces trucs de jeu où on te dit LOL. LOL. Tu sais que tu as du temps. Et que ce temps, en fait, on te l'a fait perdre tout à l'heure, mais... Allez, 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 allez. Ah, faut... Attends. Faut faire quoi, déjà?
Faut envoyer un truc dessus. Wouah. Non mais vise wesh. Ok. Tu sais le moment où on t'a fait faire une loupe, tu te rappelles, c'était trop bien, hein, franchement. Et du coup, bah voilà, en fait, on continue parce que lol. Lol. Lol, c'est devenu un jeu où en fait on va jouer comme ça, tu vois, you know. Lol. T'aimes l'ironie. À vous. De toute façon, t'es un gamer, t'aimes l'ironie. Ça l'histoire. Vas-y, remonte. Ouah, je l'ai pas eu. Quel enfer. Oh, mais je l'ai eu à la fin, mais c'est un... Oh là 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 là. Quel nul. Allez, 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 on a du temps. Ah bah bien sûr, là on a plus de temps. Tu sais, le jeu prend 15 ans. Et il nous fait une technique de... Ah, au fait, faut que t'ailles vite. Super. I'm happy. Je suis heureux. Dis-moi qu'il n'y a que 3 niveaux et que c'est le boss là, s'il te plaît. Et qu'il y a une couchette pour pouvoir récupérer toutes ses vies sans claquer, s'il te plaît. Ça serait bien, hein, la vraie vie. Hein. Non, on fait que monter, nous. Pas le time. Ah bah un boss. Étonnant. Je cherche... Attends, 2 minutes, je cherche des cœurs pour voir s'il y en a. Voilà. Ah, il y avait un cœur ici. Toujours là, hein. Regarde, je suis là. Regarde, je suis ici. Regarde, là. Regarde, je suis là. Lol. Regarde, je suis ici. Bam. Et non, mon ami. Et non, ça se passe pas comme ça. Voilà, ça se passe comme ça. Boum. Oh, un cœur. Serait-ce de la vie? Et. Du full vie? Non, ce n'est qu'un cœur. Lol. Donc là, on a encore 2 salles du temps. Ah, d'accord, ok. Ok. Where is the life? Y'a un truc en bas ou pas? Peut-être pas en fait. Enfin, ça va être là où faut aller quoi. Alors que nous, on. Voilà. Nous, on a envie de récupérer de la vie quand même, à un moment. Peut-être la blague du jeu, c'est de trouver de la vie, tu vois. Voilà. Quand tu veux, hein, le rebelle Sonic.
Lol. Mais... Quoi? En fait, reste là, ouais. Faut qu'on passe tous les deux. Ok, je j'ai capté. I have acknowledged it. Sauf qu'en fait, faut qu'on aille d'abord de l'autre côté parce que j'ai l'impression que on s'est fait avoir dans l'histoire. Oh, mais il y a de la vie hein, quand on revient en arrière. Mais en fait, je comprends pas. Oui, c'est pas là où il faut aller. Hein. On est d'accord. Là, c'est juste on va récupérer quelque chose qui n'est pas de la vie. Je connais les bails. Je connais les bails. Ah si, il y a de la vie là-bas. Waouh. Comment je fais pour aller là-bas? Faut que je fasse ça. Je commence à situer le truc, ok. Est-ce que je peux arriver jusqu'à là-bas? Je suis pas sûr. Hein. Ah si. Ok. Je prends de la vie, hein. Tu m'excuses? Dis-moi que ça remonte jusque... au max. Au max. Au max. Au max. Au max. Au max. Merci. Voilà, merci. Ça prend 15 ans pour les tuer. Heureusement que j'utilise les bombes, hein, franchement. Ouais, je l'ai même pas eu. T'as vu la vie là? Ça c'est beau hein. Bon voilà, on a traversé. Maintenant. Mais t'es dessus ou t'es pas dessus? Voilà. Quoi? Ah oui d'accord. Peut-être plus rapide. Ouais, non, mais du coup, c'est clairement elle qui doit y aller en fait. Ok, bon, tiens, voilà. D'accord, ça y est, j'ai compris. I have understand you.
Ça sent le boss. Mais on a de la vie. Oh non, pas eux. Oh non. Voilà. Voilà. Je suis là. Par contre, ouais, ça est visé, Sam. C'est incroyable. Wow, c'est quoi ça? Je suis pas d'accord. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ouh là là. Je serre les fesses. Je travaille le périnée. Oh 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 oh. Non, peut-être pas ça. Voilà. Non mais non mais. J'ai même pas essayé de les détruire la dernière fois. Laissez-moi tranquille. Ah là 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 là. Ah bah ça se tire dessus. Ok. Ok. Ah, ok. Moi je suis pro bombe, hein. À son coup. Voilà, boum. C'était même pas un boss. J'espère qu'on va pas avoir un boss du niveau du train. Parce que c'était bien l'enfer, le train. Allez. Oh non. C'est vrai que c'était ça encore. Mais c'est long, c'est loin. J'ai la flemme. Je vous dis direct, hein, j'ai la flemme. Allô, bonjour. Plateforme. Plateforme, merci. Allez, faut s'activer. Waouh, mais nique en fait. Hein. Allez. 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 Ouais, faut que je la fasse amener en même temps. Oh, mais quel enfer. Je perds trop de temps en fait. Ouh là là. Allez. Oh là 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 là. Allez. Ouh là là. Ouh là là. Allez. On avance. On avance. Vas-y. Limite, faut l'appeler à l'avance, elle. Ouais, c'est ça. On a un petit décalage, j'ai l'impression, mais t'inquiète. Je m'en suis douté. À la recherche du cœur perdu.
Merci. C'est du gros sel qu'il nous donne, lui. Je devrais plus les tuer, du coup. Ah non! Ah, j'avais oublié qu'il fallait que je fasse ça. C'était visé. Allez, maintenant la vitesse. Ah non, c'est bon, c'est ouvert direct. Ok. Non mais en fait, je vous aime pas. Je compte te traverser en fait. Bon, apparemment, je ne peux pas. L'animation est bien, hein, mais vous êtes pas marrant en fait. Oh là 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 là, mais en fait non. Je ne vous aime pas, vous. Mais c'est moi où j'ai perdu toutes mes vies. Incroyable. Qui l'aurait cru? Ah, trop bien. Alors là, il y a un truc dans le coin qui fait tutut. Mais où est... Ah, elle est là. Mais non! Voilà, c'est bon. Au revoir. Salut. Toutes ces caisses. Je peux manger le poisson directement sans le faire que... Non, je ne pense pas. Récupérons de la munition. Ah donc du coup quand je le touche avec une bombe, il peut quand même tirer. Alors que quand je le tire dessus avec, avec le fusil à pompe là... Oh là 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 là... Ah mais non mais je préférais le poisson. Bon bah j'ai mangé du... J'ai mangé un sandwich hein. Ça veut dire que pour le boss on a un sandwich en moins. Quel enfer. Et j'ai augmentation, je crois. J'ai. Ouais, c'est ça, c'est. Mes munitions sont moins chères. Mais viens! Je peux claquer des munitions. Toi. Allez, 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 allez. Mais en fait, je vous aime pas du tout. Mais tous, je vous aime pas du tout.
En fait, il y a la musique pour te rendre happy d'avoir gagné, mais vu que t'as pas de vie de façon dans le reste du jeu, t'as pas envie en fait. Aïe aïe aïe. Tu fais que perdre en fait. Y a rien de joyeux à te retrouver en combat. Mais écoute, voilà. Ça c'est pour toi, d'accord? On va faire comme ça. Essayer d'avancer tranquillement. Mais non, mais c'est sérieux? On est censé faire un combat ici, là? Maintenant? Avec du temps? C'est la vraie vie, ça? Est-ce que c'est la vraie vie que j'ai choisi d'avoir? Non. C'était rapide. Dis-moi que c'était le dernier étage, s'il te plaît. Dis-moi que c'était le dernier étage et que, en fait, le but, c'est pas juste que j'utilise toute ma bouffe et toutes mes munitions avant d'arriver au boss. Parce que je sens que c'est ça. C'est un peu le truc, quoi. La petite douille, quoi. Allez! En fait, c'est marrant parce que même là, c'est toujours la même musique. Il n'y a pas de. Voilà, y a ça, mais sinon. Après, la musique, je peux comprendre. Hein. C'est. Parfois compliqué, quoi. Je sais pas si c'est. Je pense que ça doit être un truc indépendant en plus qui a fait le jeu. C'est Chucklefish, là. Qui a fait la preuve, entre autres. Ah, j'ai entendu un coup. Ah, bah... Ok. Donc là, on vient d'arriver en haut, et dès le premier truc, il n'y a même pas, genre, une attente, quelque chose, où on te dit, oui, en fait, il y a le rebelle Sonic qui va sortir. Et Isabelle. Le cœur du champ temporel doit être juste devant nous, ok. C'est la fin. Une fois à l'intérieur, il ne sera plus possible de faire demi-tour. L'heure est enfin venue de mettre un terme à cette illusion. Et en fait, pourquoi? Parce que nous, on fait que traverser, en fait. Donc là, c'est exactement ce qu'on a fait depuis le début. Traverser des villes, s'occuper de pas de nos affaires, clairement, et d'essayer d'aider les gens. Bon, après, aider les gens, c'est bien, hein, clairement. Mais voilà, quoi. Là, il y a Isabelle, y a Isabelle qui est triste parce que Alva s'est pris un coup. Mais... Bon, ok, d'accord. Il faut juste la mettre au milieu, elle. Ah, je peux pas monter là? Ok. Bah, du coup, tu vas de l'autre côté, hein. Je crois qu'on a perdu du temps, mais je suis pas sûr. Je sens qu'il y aura du. Il y aura des gens à kick. Donc on va kicker, hein. Ah oui, non, mais non. Mais non. Mais non. Ça, c'est un coup à foirer 15 millions de fois. Faut que je passe en haut. Faut que je réussisse à calculer tout.
C'était genre de très peu. C'est genre tout ce que j'apprécie. En fait, faut que je garde aussi le temps. Parce que je pense que le temps peut me servir. Genre maintenant. Voilà. Attends, j'ai pas compris. Waouh, c'est chaud, hein. Non! De peu! Bon, là, on n'a pas le temps, hein, je vous le dis direct. Hein. Là, c'est clair qu'on n'a pas le temps. En fait, je me pose la question, si je vais avec lui, en fait, je pourrais pas la ramener, la passerelle, donc... Mais pourquoi? Depuis tout à l'heure, ça marche! Waouh. Waouh. Non. Ça c'est bon. En fait, je peux essayer de monter en vrai. Bon, ça faut que je prépare déjà. Hop. Voilà. En fait, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Sauf que. Non, mais c'est trop loin encore. Oh là là. Et du coup, est-ce que je fais ça? Que je monte là? Ah, le temps! J'ai oublié de prendre le temps. Ouais, je pense que c'est ça. Faut que je prenne le temps dès le début. Que j'active. Que je passe là. Que je m'équipe, genre de ça, que dès que j'arrive je prends le temps, mais vas-y, fais quelque chose aussi. Oh non, je suis deg. Seul. Peut-être qu'il faut juste que je pose la bombe et que je l'active quand on passe. Peut-être que j'aurai suffisamment de temps. Mais non! Pourquoi il est pas venu? J'ai oublié d'appuyer sur rond! C'était ça. C'est pas pardonnable hein, en empêchant.
2. Oh, c'était à un microseconde. C'était à un microseconde. J'adore. Des cerises qu'on peut pas cuisiner, bien entendu. Oh, on peut faire à manger. C'est trop bien. La vraie vie. Enfin, sauvegarder. Faire à manger. Je fais des recettes inconnues. Hein. Potentiellement, je gâche ma bouffe. Hein. Oh, ça a l'air trop bon. Bon, j'aime pas l'ananas, mais ça a l'air vachement bien. Un riz fruité. Ok. Vas-y, c'est la première fois que je passe, hein. Je suis désolé, hein, mais... Pourquoi il m'a regardé mal là, Sam? Il me juge pas. Et à côté, il y a un truc pour acheter des trucs, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'on est. On a combien de recharges là? On va prendre le rebelle. Et on va checker ce qui nous manque. 23, 37, 15. Il nous manque surtout des munitions de bombes. Le sac à dos est plein, d'accord. Ok. Est-ce qu'on est obligé de les taper? J'imagine que oui. C'est ça, hein. Oh là là, pas eux. Est-ce qu'on va réussir à passer tout ça? Je dirais que oui. Ah, non.
La poêle, hein. La poêle, hein. La vraie vie. La poêle, c'est vraiment la vraie vie. Alors, par contre, je vais prendre de la vie. Ça vous gêne pas trop, hein. Coup de poêle, exactement. Salut Terrestrine, ça va bien? Je suis à la fin, j'en ai marre de ce jeu. J'avoue. Il me stresse, je comprends rien. Et en plus, il me fait des boucles. Si vous ne connaissez pas Terrestrine, je vous invite à aller voir les lives de Carlitad qu'il y a là-bas. Tu es pas allé jusque-là? Ah, t'as pas fini parce qu'il t'a saoulé aussi, ou c'est à cause de... du machisme ambiant, sexisme ambiant et compagnie. Ouais, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a tous tous les deux. Ah, merci Joline. Merci Joline de t'abonner. Vous connaissez Joline? Si vous ne connaissez pas Joline, je crois que t'as déjà ton shoutout, mais attends, je vérifie. Je suis peut-être mis avec le TV. Attendez. Oh, oui, et voilà. Donc allez voir Joline, hein, bien entendu, si vous voulez avoir de l'actu de Calitad. Qui est-ce? Donc, j'étais en train de jouer à Eastward, ouais, donc on joue Sam et John, on fuit la pollution, et là on se retrouve dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire le moment où il y a des boucles, et que... Ah, bah c'est la première fois qu'on trouve trois cœurs d'un coup, hein. Heureusement que vous êtes là. Hein. Tu connais pas Joline? et du coup, le truc, c'est que ouais, c'est un jeu où on galère à avoir de la vie, hein, quand même. Hein. Faut bien se le dire. Oh, va falloir que j'évite les deux, là. Alors, disons qu'on va en abandonner un, hein, je vous le dis. Hein. J'annonce, ça va être John. Hein. John n'a pas besoin. Ah. Ouh. Bon, voilà, John a tout pris. Faut que je rattrape ça. Hello Tomato Jules, oui. C'est surtout qu'on perd vite de la vie. Ouais, en fait, on perd vite de la vie. Et en fait, tu trouves pas de la vie sur tout le donjon. Je vais abandonner d'essayer de faire quoi que ce soit. Hein, je vous le dis direct. Hein. Voilà. Je joue. Hein. Là, actuellement, je suis actuellement en train d'essayer de jouer au jeu. Hein. Bien entendu. Vous regardez. Voilà. Là, je joue. Vous voyez pas, mais je fais quelque chose. Salut Ayla. Merci pour... Merci pour le raid. J'espère que ça s'est bien passé, l'actu. Il y a du beau monde aujourd'hui. Vous connaissez Ella? Attendez, on va faire jusqu'au bout. Vous connaissez Cybertopia? Vous connaissez Ella? Si vous ne connaissez pas, je vous invite aussi à aller voir. C'est encore de la chaîne de Calitad. Donc, Cybertopia. Voilà. Je personnalise, hein, les shoutouts. Hein. Et bien sûr, si vous ne connaissez pas Ella, allez voir Ella. Tu connais Lucel. Tu connais Lucel? Oui, exact. Je connais un peu. Oui, alors du coup, vous arrivez au moment du coup où j'en peux plus du jeu. Tout simplement. Parce que en fait, il me demande de faire des choses que j'ai pas envie de spécifiquement faire. Et entre autres, par exemple, de se battre contre des gens et de perdre des vies avant le boss, par exemple. C'est des choses que ça ne m'intéresse pas des masses. Voilà, et en plus on peut même pas le toucher. Sam, elle a principalement un pouvoir qui est défensif. Et John, et donc John, il a un pouvoir attaque, d'attaque. Et en fait, c'est compliqué, quoi. Quand on joue le boss, par exemple, ce qui va arriver d'ici peu, vous allez comprendre que Sam, en fait, prend des dégâts. Alors que pendant le boss, c'est très compliqué de la jouer, parce qu'elle ne fait pas d'attaque. Spécifiquement, elle peut bloquer. Ouais, oui, voilà, il joue offensif. Ouais. Et le truc, c'est qu'en fait, Sam, elle est toujours en restreinte. Donc c'est compliqué de jouer avec elle. Et on voit, mais attends, il donne des cœurs gratuitement, là, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu compliqué, oui, et du coup, moi, je joue jamais avec Sam, parce que j'ai du mal à jouer, en fait.
Et du coup, ce qui est bien, c'est que c'est uniquement contre la pollution qu'elle est douée de... Enfin, ses capacités sont importantes. Parce que c'est la seule qui peut se débarrasser rapidement de la pollution. Des cures, oui. Et du coup, voilà, on se retrouve voilà, avec des charges de méchants toutes les 6 secondes, où je me dis, je vais perdre des vies gratuitement, parce que le but, c'est un peu ça. Et en fait, là, en plus, on est dans un monde où il y a de la boucle. Les joies du jeu, quoi. En fait, c'est le moment où, en fait, j'en peux plus à cause de ça, principalement, parce qu'on est en boucle. Et je fais même plus attention au bout d'un moment. De tout. Le miasme. Oui, mais moi j'appelle la pollution parce que c'est exactement le système de la pollution. Je vais peut-être récupérer de la vie. On va manger du pain. Donc oui, c'est pareil pour les histoires de vie. On peut faire de la cuisine, mais pour faire de la cuisine, il faut trouver un endroit où faire de la cuisine. Et attendez. Ah, s'il vous plaît. Ne vous énervez pas. J'ai pas envie. Voilà, merci. Voilà. J'ai pas envie. Moi, je suis... je joue bombe, hein. Vous avez dû remarquer, je joue bombe. Oh, y a pas le rebelle Sonic. Dane. On va devoir jouer Fusio. J'essaie de vous montrer quand même de la qualité de jeu, hein. J'essaye de faire des jeux. De temps en temps. Et après, on gagne du gros sel. Chose qu'on peut utiliser pour pouvoir payer. Sauf que... En vrai, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Il faut aussi avoir des fioles, enfin, laisser les fioles plus des pièces pour modifier ses armes, par exemple. Mais c'est très cher, en fait. C'est une galère de pouvoir juste augmenter ses capacités, quoi. S'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter. Il y a le boss après, j'aimerais bien garder des vies en fait dans la vie, tu vois. On l'a vu le boss, merci. J'ai plus de munitions, on va devoir jouer à la poêle, la vraie vie. Donc c'est le moment où il faut utiliser un peu les pouvoirs. Et là on mâche. J'avoue, j'ai pas augmenté mes bombes, juste un gun. Ouais, mais en fait, c'est ça. C'est une galère. Donc je joue. En tout cas, j'espère, oui, je vous ai pas demandé, mais j'espère que vous avez passé quand même de bonnes fêtes. Que vous ayez fait la fête, d'ailleurs, tout simplement. Oh. Joie. La poêle, hein, meilleure arme du jeu. Hein. C'est la seule que tu peux augmenter en poêle carré, mais... Arrêtez de jouer avec moi, s'il vous plaît. Je veux plus. On va prendre de la munition. J'ai cramé des politiques à droite. Bonjour, Anartube. Est-ce que vous connaissez Anartube? Faut bien mâcher, ça aide la digestion. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Vous connaissez Anartube? C'est la patrie des chototes, hein, ici. Qui se fait auto-rigoler. Et puis c'est tout. C'était bien, et puis c'est tout, ouais, c'est vrai. Je crois que j'en suis à la fin, mais comme vous avez l'impression de voir... Le jeu veut plus que je joue avec lui. Il a décidé de dire non. En fait, toi, tu m'énerves. Pars. Et du coup, on va... LOL. Le jeu, il est dur. Ouais, non, mais en fait, il est... Ça, pas trop. Moi, je trouve pas trop... Il y a des moments, tu vois, où genre, où t'as... là par exemple, j'ai clairement pas envie de jouer, donc j'essaie même pas de faire des efforts. Mais le truc c'est que, ouais, il y a des... là par exemple, il a pas envie de jouer tout seul en fait le jeu, parce qu'en fait, il nous envoie des masses de gens parce qu'on arrive à la fin du
de la tour, quoi. On est dans une tour en boucle, donc... Voilà, hop. Non mais en fait, ça aurait été bien si t'étais toi sous la bulle. Hein. Franchement, hein, je te le dis direct, hein, le chien, là. Nique les cœurs en passant. Pardon. Excusez-moi, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Bien entendu. Il y a des phases chill, mais il y a des phases avec trop d'ennemis. Bah là, clairement. Là, c'est gratuit. Hein. Le jeu, il a décidé. Tu vois, c'est un jeu dur. Alors qu'on s'est fait chier pendant longtemps. Alors. Oh, un cœur. Waouh. Ne serait-ce pas un cœur? Bon, attendez, je vais préparer le terrain hein, déjà. Je vais mettre une bombe ici. On aime les cœurs. Donnez-leur des. Ouais, moi je. Envoyer des cœurs hein, pour. Je prends parce que là c'est la vie. Oh. Attendez, excuse-moi. Voilà. J'ai bien fait de la poser. Bam. Voilà, bam. Viens. Je suis là. Voilà. Il m'a fatigué. Bon, en tout cas, j'espère que tous vos streams se sont bien passés. Hein. J'ai l'impression que je suis le seul stream du coin, du coup. Vu que vous êtes toutes là. Ah. J'ai plus de tickets, c'est vrai que j'ai utilisé mon ticket de retour. Oh là là, j'avais oublié, j'ai plus de tickets. Bon, faut que je fasse attention à la vie, là, apparemment. Faut jouer avec de la vie. Tu as commencé dans 30 minutes? Ok, bah du coup, je finis le... Je pense que je vais finir le donjon et je vais faire raid là-bas. C'est cinéma aujourd'hui, c'est ça? Ou t'as arrêté l'émission peut-être, Joanne? Je sais pas. Ah oui, c'est vrai. Attendez. C'est vrai que ça se passe comme ça. Vas-y, j'en ai marre de ce chien là. Je suis pas content. Attendez, faut que je trouve. Voilà. Hop, tiens, prends le chien, voilà. Voilà. Non mais en plus si ça fonce sur moi là, je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi la bombe elle a foncé sur moi? Je sais pas. Voilà, merci. Non, pas du tout. J'explique tout ça tout à l'heure, ok. Je peux faire avec la... Ouais. Mais il y a ces petits feux follets, là. May life to win de Paul Stanley pour t'encourager. Je connais pas, mais du coup... je fais ça pour les boss de Dark Souls. Je t'avoue que... Ça me distrait, la musique. Là, en ce moment, en plus, là, je... Je suis plus... Comment ça s'appelle, la chanson La chanson que je mets pour quand j'ai des appels administratifs, tu vois, où t'as 15 ans d'attente. Je mets une chanson genre... très connue de rock... comment ça s'appelle Du glam rock. Et en fait, où il dit « Tu peux garde l'espoir, en ce moment. Avec un peu de temps, tu auras de l'espoir. » Je sais plus le nom, faudrait que je le retrouve, je me rappelle plus là. Mais c'est la seule qui me motive vraiment. Ça me fait énormément rire parce que en fait je fais des combats avec les. Ah oui, c'est. Non, pas Eye of the Tiger.
C'est pas Eye of the Tiger, justement. En fait, je fais des combats de musique contre les musiques d'attente administrative. Je fais des. J'essaie de m'amuser un peu au moment où, en fait, c'est pas marrant. Et du coup, faut que je. Alors, c'est pas Kiss non plus. Faudrait que je réfléchisse au nom. Alors, c'est Journée. Voilà, la chanson c'est Journée, donc aventure en anglais. Et en fait, le truc c'est. Je sais plus comment s'appelle le groupe. Mais c'est ma musique de combat d'administratif. Et vu que j'ai pas bien géré mon audio ici, je peux pas faire. Vu que. Histoire, j'ai commencé à le mettre en archive. Ça me ferait chier de le DMCA direct. Oh, j'y arrive plus. Don't Stop Believing, voilà, c'est ça. Exactement. Donc c'est le groupe Journée, voilà. Et c'est Don't Stop Believing. Ouh là là, ça se passe bien là. J'ai pas été touché. Le boss administratif, c'est le pire. Ouais, bah ouais. Surtout que j'ai que ça, j'ai que des problèmes avec l'administration. Donc, je crois que j'ai été. On m'a mis le mauvais œil à un moment. Apparemment, c'est en plus familial. Donc, c'est complexe. C'est générationnel et tout. Ah ouais. Voilà, déjà, ça, c'est bien. Voilà. Allez, apparaît. Ah, plus de munitions. Est-ce que t'es là? Rebelle Sonic! Reviens à la charge. Tiens, kiff. Oh non! Pas eux! Pas maintenant! Pas comme ça, Zinedine! Bientôt le speedrun. Ouais, bah, j'ai. Allez, viens. Voilà. La vie. Faut que je fasse attention à la vie. Je vais prendre cet ananas. Qui est un riz fruit fruité. Voilà, merci. Est-ce que c'est la fin d'après vous? J'ai claqué mon ananas pour rien. Je sais plus. Et si, y a encore des gens. Voilà, hop. Non mais. Faut que j'arrête de foncer dans ce que je balance. Genre. On va prendre de la vie au cas où. Mais tu veux pas te casser? Voilà, merci. Mais c'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Heureusement, je gagne du gros sel, hein, parce que sinon. Bon? Fini? Ah, mais. Je viens de capter. Ah, il y a trois trucs! Oh! Oh là 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 là. Oh là 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 là. Lol, j'ai plus rien. Est-ce que j'ai de la bombe? Est-ce que j'ai de la bombe? Non. On va le faire à la poêle. C'est pas grave. Allez, disparaît. Voilà. C'est
C'est quand tu veux, Rebelle Sonic. Mais je peux même pas avoir accès à ce personnage, en fait. Voilà. Meilleur strat. J'ai pas vu le message. Ah! Oui, c'était le boss administratif. Ouh là là, c'est le bordel. En fait, on va s'occuper de lui, là. Parce que c'est lui qui me pose plus de problèmes. Aïe. Est-ce que j'ai de la vie? Non. Enfin. J'ai enfin réussi. J'espère que je vous ai pas trop crisé dans les oreilles. Bon, je pense qu'on peut faire le boss avec les trois cœurs. Lol. Ah non, on est encore dans la loupe. Ça m'amuse pas des masses. Merci Clem Lelut. Lelu. Bonjour. Oui, donc on a cassé le temps, c'est ce que j'étais en train de dire. Je faisais une blague sur le fait qu'on a tué tout le monde. Parce qu'on a décidé que le temps, en fait, devait être linéaire et pas en boucle. Mais je comprends pas, on a vu toute la ville détruite. Il est plutôt en bon état, il a dû être bien entretenu. Mais c'est pareil, j'ai du mal à saisir, je comprends plus. En fait, c'est ça aussi que je me perds énormément dans le jeu. C'est que l'histoire, elle est bizarrement racontée. Je sais pas si c'est moi, mais il y a des moments où, en fait, il y a des termes cryptiques qui sont dits. Tu devines des choses, etc. Beaucoup plus que... Enfin, tu devines par rapport à ce qui est dit, mais ou ce qui est fait, mais en fait, t'as pas vraiment de sens d'histoire, en fait. C'est bizarre. Enfin, après, c'est peut-être moi qui ai juste pas capté, parce que... je suis pas dedans, hein. Donc, Charon, c'est... voilà, le rêve noir, l'émissaire de la mort. Charon, c'est le passeur, hein, dans le Styx. Entre autres. C'est pas des rumeurs. En l'air... J'espère qu'on aura jamais à le croiser à nouveau. Bon, vous êtes prêts à mettre les voiles? Oui, mais on doit attendre nos amis. Vos amis, tu veux dire Jon et Sam? Ces deux-là, ils ont encore quelque chose d'important à faire. Ah bon? Mais on peut pas les abandonner comme ça. Ne mets pas la rate au courbouillon. Ça, c'est ancien comme expression. Suis la voie ferrée et tu arriveras à la gare en haut de la tour. Ah, au fait, j'ai trouvé ça dans le moteur. Un genre de pièce. Elle doit vous appartenir. Ah, mais c'est la pièce porte-bonheur de Sam. J'aurais jamais cru la voir un jour. Waouh, trop bien. Allez, filez, dépêchez-vous avant que le champ temporel se dissipe. Et vous alors? Nous, on a affaire ailleurs. Bien, si vous insistez. Daniel, allons-y, veux-tu? J'arrive. Donc ça, c'était le boss de la tour, c'était m'envoyer tous les monstres? Ok. Je préférais du coup le boss du train. C'était une galère, mais au moins, il y avait un sens. Ils sont partis. Tu l'as dit, Woofy. C'est le moment, alors? Pas tout à fait, Mère n'est pas encore revenue. C'est Sam, maintenant.
Oui, parce que Sam a un double qui s'appelle Mère, que tout le monde appelle Mère et que tout le monde a l'air de connaître. Alors, Jon, un type bien, je sais pas. Hein. Dire qu'ils auraient pu attendre juste 3 secondes. Haha, Jon, mon garçon, comment on se retrouve? Capitaine Pam et l'ordre du chevalier de la fusée, vous êtes venu? C'est l'équipe Ginyu, hein, pour. Si vous connaissez. On a réussi, vous avez vu, on a désactivé le champ temporel. On sait. Le temps a retrouvé son cours normal. Mais après, on est retourné au pied de la tour. Ce que vous voyez maintenant, c'est la vraie Eternia, et la vraie tour éternelle. La vraie Eternia? Ce que vous voyez avant n'était qu'une illusion. Mais alors, Isabelle est en haut de la vraie tour éternelle? Ton ami, tu veux dire? Pour le savoir, tu vas être obligé de monter vérifier. Allons-y alors, viens, Jon, on monte au sommet de la tour. Ne te précipite pas comme ça, tu veux? Laisse-nous te regarder. Une dernière fois pour de bon. Non, vous avez rien foutu. Clairement, elle a grandi. Non, mais n'importe quoi. Je blague, mon vieux, je blague. En parlant de cuisine, Jon, mon grand, passe-moi ta vieille poêle. Oh, on va avoir une augmentation de la poêle. Yes! Allez, une poêle triangulaire, cette fois-ci. Ou une double poêle. Toi, on peut faire un aller-retour, comment s'appelle revers. C'est une bonne poêle, ça, pour encore... Quoi? Pour être encore en si bon état après tout ce temps, après tous les coups que j'ai mis avec, ouais, tu m'étonnes. Prends-la, Jon. Considère ça comme notre cadeau d'adieu. Ah, puisse-t-elle vous protéger de tous les deux? Oh... Elle est rectangulaire. Mais du coup, est-ce que j'ai plus de détente? Elle est grande, maintenant. C'est certain. Bon, allez, rangez vos violons, les vieux. Quant à vous, c'est seul que vous mènerez la bataille à venir. Mais vous en faites pas, vous êtes bien assez fort pour ça maintenant. Jon, prenez bien soin de mère. Pourquoi mère encore? Merci Jolene d'être passée, c'est cool. Et bah du coup, on se retrouve tout à l'heure. Elle est entre vos mains désormais. Donc des cœurs pour Jolene, hein. N'hésitez pas à envoyer des cœurs dans le chat. Ici, c'est la patrie des coqueurs. On cherche des cœurs dans le jeu, on donne des cœurs dans le chat. Ah bah voilà, c'est bien ce que je me disais. Vu qu'on a rendu la linéarité au temps. Et si je ne me rappelle pas, pourquoi je suis si triste? Donc c'est un peu ce qui se passe à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passe dans une ville, les gens sont soit morts, et apparemment n'ont jamais existé. Donc c'est compliqué quoi. La seule ville qui a survécu, c'est parce qu'on a fait les secours avec Alva et Isabelle, et que elle était protégée de... Elle était protégée par des grands ventilateurs du miasme. Vous avez remarqué que j'ai acheté des cœurs. On va sauvegarder aussi. On n'a pas trouvé de bouffe hein, dans ce donjon, notez-le, moi aussi. Et là, normalement, on est censé changer le chapitre, et c'est le dernier chapitre pour le jeu. Dans How Long To Beat, il y avait marqué donc combien de temps pour le battre. Il y avait marqué que... on pouvait le faire en 15 heures, je ne comprends toujours pas comment c'est possible. Mais apparemment on est descendu pour remonter. C'est ça l'histoire, hein? On est vraiment dans cette sérieusité là? Ok, super. Je suis heureux. Ah, de la vie. Attends, je veux la vie là-bas. Je prends la vie. Hein.
Donc en fait, on a fait toute la tour, on l'a redescendue. S'il te plaît. On est obligé de revoir en plus l'animation, mais je ne comprends pas pourquoi on était en bas. Pourquoi on était en bas? Pourquoi? On monte hyper haut. Tu crois vraiment que Salomon se trouve au sommet? C'était pas le boss. Voilà le boss. Ok, merci. Excusez-moi, hein, je débarque. J'avais pas compris qu'il fallait faire comme si c'était le boss pour pouvoir se taper le boss. Oui, c'était quand ce stupide capitaine m'a kidnappé alors que je veillais sur toi? Comment va cette crapule des mers? Ah, maintenant que j'y pense. Merci, Koseo du Follow. J'espère que ça t'ennuie pas trop le jeu. C'est vous deux qui avez rompu le champ temporel, n'est-ce pas? Oui, c'est nous. On a décidé que le temps était linéaire. De manière totalement autoritaire, d'ailleurs. Dans ce cas, cette infâme qui m'empoisonnait la vie a sûrement échoué avec tous ses petits camarades. Ne parle pas comme ça du capitaine Pam. C'est un homme bien. Un homme bien? Oui. Dans ce cas, qu'est-ce que ça fait de moi? Un homme vil, c'est ça? L'homme vil qui a redonné espoir à l'humanité en plein miasme? L'homme vil qui a protégé cette ville? Eternia? De la destruction? Mais tout ça, c'est faux. Cette ville, tout ce qu'il y a ici, c'est juste une illusion. Ah bon? Un missile, c'est ce que t'as raconté ton capitaine. Alors, quoi? Tu préfères quoi? Quelqu'un qui est lui-même une illusion? Laisse-moi te poser une question. Que représente cette grande aventure pour toi? Qui est cette personne si chère à ton cœur avec qui tu voyages? Permets-moi de combler tes lacunes, gamine. On va te taper en fait, hein. Tout ça pour moi, lui, tout le monde, tout n'est qu'une illusion. Mais t'as trop regardé Matrix et t'as pas compris en fait. Si seulement la mer nous déposait sur le rivage. Regarde, si seulement la. Quoi? Nous pourrions germer, bourgeonner, nous enraciner. Que veux-tu dire? Jusqu'au jour où une lame puissante viendrait s'écraser, nous avalons une fois de plus. Merci pour la poésie. Elle emporterait alors davantage de feuilles, cherchant à leur tour la terre qui les verra s'épanouir. Oui, j'ai tout à fait compris. Toi qui vivras toujours, tu ne pourras jamais comprendre le vague à l'âme de nous autres illusions. Ok, d'accord. C'est philosophie de la vie, je connais. L'autre. Attends, tu veux dire l'autre moi? Elle n'est plus là, je l'ai déjà vaincue. Mais non, on n'a jamais. Mais quoi? On n'a même pas essayé de se battre contre elle en fait. Tu ne crois quand même pas que toi tu pourrais la vaincre? À moins que je dormais pendant le stream, ce qui est possible aussi. Hein. Mais on l'a jamais battue, merde. Fais-moi voir ce pouvoir impressionnant que tu dis posséder. En fait, on a eu la semaine dernière, on a eu. On a eu un moment, une sorte de combat qui n'était pas vraiment avec Mère d'ailleurs. Enfin, pas que je sache. Bon, je crois que ça va être le boss. Hein. Bon, apparemment, c'est clairement. Là, voilà. Salomon a demandé à ce que ce soit spécifiquement Sam, donc on va jouer que avec Sam pour moi. Non, mais c'est Sam qui se bat. Bon, ok, ça commence bien déjà. Ah. Faut éviter. J'évite. 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 Évite. 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 Youhou! Oh, super. Je prends. Hein. On est censé faire quelque chose, hein, j'imagine. Hein. Casser des trucs. Oui, ça a l'air d'être casser des trucs. Donc on va poser des bombes. Hein. Voilà. Nous on est des poseurs de bombes apparemment. Je l'ai pas touché là. Ok. C'est un peu
C'est un peu pas ouf hein, ce qui se passe. Donc on va voir comme ça. Hein. Vas-y, viens. Donc déjà, ça, ça marche pas. Ok. Mais j'ai que des possibilités de bombes, donc j'imagine qu'une volante ça peut marcher. Non. Non. Ça marche pas non plus. En fait, j'ai du mal à comprendre. Ah, ça, voilà. Ok. Ok, ok. Il est énervé. On va poser des bombes normales, je veux dire. Aïe. Allez, on mâche, on mâche, on mâche, on mâche. C'était la première phase. Ok. Ah, c'est électrique qui fait. Ok. Ah, merci Sam de bien vérifier que c'est bien électrifié. Elle me fait gaulerie à chaque fois. C'est incroyable cette histoire. Non mais Sam, tu t'es pas obligé de vérifier à chaque fois. Hein. Oh là 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 là. Allez, on va devoir prendre des vies. Hein. Y a ma manette qui déconne. LOL. Aïe. Ah, en plus, il vise bien dans notre tête, là, sale gosse. Oh là là. C'est pas du tout abusé ce que j'ai fait. Ah, je lui ai fait un truc, mais ça se fait archi pas. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, arrive. Allez. On peut empêcher les bombes. Oh, l'électricité, elle s'en va. Ah bon. Attendez. Fini? Yes! C'était... Alors, c'était la plus simple version de Salomon, quand même. Combo Breaker. On a droit aux soins. Je vous rappelle que... Il y a des petites commandes, si vous voulez. Quelle puissance, alors l'autre? C'est ce que je disais, je l'ai vaincu. Non, arrête ça tout de suite. Non. Ah, c'est pas fini.
It's not finish. Il va exploser. Ah, je connais les bails. Je connais les bails. Ça explose. Je connais les beaux. Je connais. Oh! On a la clé de Salomon, la sagesse. Est-ce qu'on l'a battue? Une autre question. Est-ce que c'est fini? Parce qu'en fait. C'est pratique, quoi. On y est, on a réussi. On est au dernier étage de l'ascenseur. Bon, on est plein de vie. Je pense que tout va pour le mieux. On a une poêle rectangulaire. Je pense que tout va bien. Jon. Jon. Eh, Jon, pas vrai? Jon le grand chef, Jon le combattant d'élite, Jon le meilleur mineur, Jon le rabatteur d'élite. Quoi? Ah oui, c'est vrai. Jon l'assistante de laboratoire, Jon la star de film d'action. Dans tous les cas, tu es juste, Jon. Je me suis presque laissé embobiner par Salomon. Allez, viens. Alva et Isabelle nous attendent. Mais qui te dit qu'elles sont là, quoi? Ah bah, t'es parti, hein, Sam. T'es parti sans nous, hein, j'ai l'impression. Alors, je viens de battre le boss, ouais. Je viens tout juste de battre. Il fait un froid de canard, ici. Attendez, si, ouais. T'as loupé? Ah, dommage. J'ai en retard, t'inquiète, hein. C'était il y a moins de 2 minutes. Mais c'était rapide en fait, c'était pas trop compliqué finalement. Tu ne veux pas que je te passe ma veste, tu es sûr? Ça va, hein. J'ai récupéré maintenant, enfin je crois. Tu devrais tout de même te ménager, ce n'était pas une petite affaire. Je sais. Je ferai attention. William? Oui, Daniel. Ça fait un peu de musique de drama, ça. Est-ce qu'on va retourner à Barrageville? Oui, dans un premier temps. J'aimerais passer prendre Madame Tayama. Et après? Et après ça? Que dirais-tu de l'île Cocotte? Hmm? Que... Quoi? Tu veux vraiment retourner à l'île Cocotte? Que je le veuille ou non, je crois que ça fait assez longtemps que je suis parti. M'est avis que le moment est venu d'y faire un tour. Oh, génial, c'est trop beau. Je vais enfin pouvoir rencontrer mon petit frère, alors. Attends, en fait, c'est plutôt mon grand frère, non? C'est le nom de son fils qui bégaye. C'est possible. Daniel! Je m'en rappelle plus. William! Nous y voilà. Où est Charon? Où sont Alva et Isabelle? Vous avez entendu? Hein? Dites. Entendu quoi, princesse? Mis à part nous, ce cas est tout à fait désert. Mais si, je l'ai entendu. Oui, c'est ça. C'est ce que je me suis rappelé après que tu l'aies dit. Ouais. Quelque chose approche. F tout pays respectant. Et là, il parle de son père parti qu'il admire tant. Oui, c'est vrai. Oh non, c'est ça l'histoire, c'est qu'elle va se mettre en Super Saiyan 6. Reste une piste, petit frère. Voilà qui fait le plus grand bien. Oui, pas mal du tout. Je sais pas ce que tu veux dire, hein, Sam. Donc ça, c'est Charon, j'imagine que c'est le train, du coup. C'est pas très clair. Hein. Ah! Oh!
Mais là, il y a le miasme, hein. Parce qu'il y a le... Il y a les nuages du miasme. Non? En tout cas, il y a du... Il y a de la neige noire. Silence! Daniel! Il doit y avoir un problème de programmation. Ce sera réparé en rien de temps. Oui, bien sûr. Que oui, il doit y avoir un moyen de le réparer. Oui, toi aussi t'es perdu, Terrestrine, on est d'accord. Je n'aurais jamais dû te faire opérer. Cette attaque, elle aurait ricoché sur toi sans rien te faire. Nous n'aurions jamais dû venir ici. Moi, je suis perdu. Bien, retournons au mousquet de fer. Jouons. J'ai souvent pris de mauvaises décisions dans le passé, il y en a beaucoup que je regrette. Mais vous avez encore une chance. Une chance de tout arranger. Vous pouvez ramener Sam. Bah, en fait, elle est un peu partie de sa propre volonté. Beaucoup. J'ai l'impression. Prenez cette pièce, d'accord? Cette pièce, c'était une récompense que je gagnais lors de ma toute première aventure. Je l'ai offerte à Daniel peu après sa naissance. Le fait qu'elle se soit retrouvée entre les mains de Sam, je n'y vois rien d'autre que l'œuvre du destin. Alors j'ai l'impression qu'elle pourra peut-être vous être utile. Bah c'est un peu ça, hein, parce qu'en fait, elle nous a permis de gagner de la thune qu'on n'a jamais pu récupérer. Bien, ne restez pas planté là. Allez, foncez. Ok, si tu le dis. Si tu le dis. La suite, la semaine prochaine, dans le prochain épisode de Histoire de... Chaon s'éloigne du quai à tombeau ouvert. Cette fois, Jon n'hésite pas. Il bondit à bord du mousquet de fer. Les épreuves qu'il a vécues, les amis qu'il a perdus, le miasme, rien de tout cela ne lui traverse l'esprit. À cet instant, il n'a qu'un seul objectif, sauver Sam. Sam a été enlevé et il doit la retrouver. Plus vite, Jon, plus vite. Ça, on dirait un... On dirait... Un Sentai avec les textes de Power Rangers. La prochaine fois. Oui, oui, c'est ça, enlever, bien sûr. Elle est partie toute seule. Hein. Chapitre 8, mère. Bon, on fait le chapitre 8 plus tard. Hein. Je vous le précise d'avance, on va faire un raid. La fin. De l'éternité. On va faire un raid parce que y a d'autres streams mieux maintenant, c'est officiel. Bon, moi je suis très content qu'il y ait eu du monde aujourd'hui parce que j'avoue, là j'en avais besoin d'être accompagné parce que c'est dur hein, pour moi. Là, en ce moment, je. En ce moment. Alors, le 7, c'était avec le train singe. Ouais, donc c'était dur pour moi de finir, donc je suis content que vous étiez dans le coin. Je vais quitter le jeu. Peut-être le sauvegarder, s'il y a une sauvegarde dans le coin, peut-être, avant. Ah, c'est tout de suite.
Toi aussi, t'aimes pas les fêtes? Enfin, celui juste avant toi, du coup. Toi aussi, t'aimes pas les fêtes? Alors, ça dépend. Ça dépend quelle fête, en fait, surtout. Et merci à toi aussi, Thomas Touljous, d'avoir fait tout le stream avec moi. C'est cool. Cœur sur Thomas Touljous. Cœur. Je ne sais pas si on se retrouve mardi chez Petit Cancan. Mais si vous voulez aller suivre quelqu'un d'intéressant à les fêtes de fin d'année, ou ça va sans plus. C'est juste que. En fait, ça n'a pas de. J'accorde. Enfin. On a. Dans ma famille, on a une habitude de déjà se voir souvent. Donc en vrai, c'est un jour comme un autre, d'une certaine manière. Merci aussi, Clem Lulu, d'être resté. C'est cool. Je vous envoie chez Joline directement. Et la semaine prochaine, on continue si vous avez envie de passer dans le coin. N'ayez pas. Enfin, s'il y a d'autres streams plus intéressants, n'hésitez pas à y aller. Hein. Je vous force pas à rester dans le coin, quoi. Mais en tout cas, on va aller voir du monde un peu mieux. Je vous envoie avec le raid. On va dire que c'est sauvegardé, hein. Lol. Bon. See you soon. Le chat de la chaîne est réservé aux followers, aux abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner à Joline quand vous arrivez. Merci d'avoir été dans le coin. Cœur sur tout le monde.